À l'abbaye Saint-Joseph de Clerval, à Flavigny, les moines se préparent à accueillir de nombreux visiteurs pour l'été. Tous les monastères accueillent, mais nous accueillons en donnant des retraites de 5 jours, s'inspirant des exercices spirituels de Saint-Ignace, pour aider justement les retraitants à suivre eux-mêmes le Christ, puisque la vie monastique c'est ça, c'est la marche à la suite de notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est frère Joachim, d'origine suisse, qui nous accueille dans les cuisines de l'abbaye pour nous préparer quelques recettes estivales. Bonjour, je suis le frère Joachim et aujourd'hui je vous propose d'excellentes recettes pour les beaux jours d'été. Pour commencer, je vais donc vous présenter un millefeuille d'aubergine au fromage de chèvre frais. Cette recette, je l'ai trouvée dans un très beau livre qui a été composé par nos sœurs bénédictines de l'abbaye de Jouques. Et tout à l'heure, je vous ferai une recette d'un parfait au chocolat. Mais pour le moment, je vous présente les ingrédients dont nous avons besoin. 4 aubergines, 4 belles tomates, fromage de chèvre, ciboulette, des grains de coriandre, 2 sortes d'huile, de la moutarde et du vinaigre balsamique. Et on ajoute un bouquet de basilic du jardin. Première étape de cette recette, préparer les feuilles d'aubergine. Alors, vous la coupez dans le sens de la longueur. Vous faites des tranches plus ou moins fines, mais ça c'est au goût de la cuisinière si vous voulez. Si la cuisinière est d'une générosité proverbiale, elle les fera beaucoup plus épaisses. Voilà. Et nous avons maintenant les assises du feuilleté. Alors, étape suivante, nous allons maintenant faire revenir ces tranches d'aubergine dans de l'huile d'olive. Il faut les cuire lentement, ce qui fait que vous pouvez surveiller tranquillement la cuisson. Un couvercle et j'attends que ça se passe. Une fois que les aubergines ont grillé des deux côtés et sont bien ramollies, frère Joachim les sort du feu et s'attaque à la coupe des tomates. 4 ou 5 rondelles et le reste coupé en dés. Alors, les produits que vous voyez ici, les aubergines, les tomates et le basilic, ont été cultivés par un de nos frères, le frère Camille, qui se débrouille vraiment bien. Hein. Il nous produit surtout beaucoup de courgettes. On fait les pommes de terre pour la communauté. On a de la rhubarbe. Et en tant que cuisinier, je vous dirais que je m'émerveille de la bonté de la Providence. Voyez, toutes ces petites graines sont de futurs plants de tomates. Nous allons maintenant préparer le fromage de chèvre. On demande 100 g de fromage de chèvre. Mais je suis un conseil que me donnait ma sœur un jour en me disant « N'oublie pas que les égoïstes meurent tout seuls. » Ce qui fait que je rajoute toujours un tout petit peu partout des trucs. Je vais mettre de la ciboulette. Je rajoute de l'huile d'olive, puis une cuillère ou deux. Ensuite, je sale et je poivre et j'ajoute de la coriandre. Alors, il est dit qu'il faut mettre 5 graines de coriandre, mais j'en mettrai plus que 5. Je mélange, voyez, pour la rendre fluide. Et si je m'aperçois qu'elle est un peu trop épaisse, eh bien, tout simplement, je rajoute un peu d'huile. Hop, un petit coup en passant et je lui redonne un coup de manivelle. Et nous sommes partis pour le quart d'heure. Maintenant que mon fromage est prêt, je vais donc préparer la vinaigrette. 1 ou 2 cuillères de moutarde. On me demande de quelle ville vient la moutarde en France. C'est une ville qui a donné à l'église une grande sainte, Sainte Jeanne de Chantal. Or, toutes les Chantal doivent leur prénom à Sainte Jeanne de Chantal. C'était la baronne de Chantal. Alors, nous avons donc mis la moutarde de Dijon. Vous avez tous trouvé, ils ont tous trouvé Dijon. Il faut 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive
et une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Après quoi, vous ciselez quelques feuilles de cette plante aromatique. On va mettre maintenant les tomates à l'intérieur. Alors, je remue ça. Cette fois-ci, c'est bon. Une fois la vinaigrette prête, frère Joachim passe à la dernière étape. Il dispose les tranches d'aubergine dans un plat, les couvre de tomates à la vinaigrette et d'une couche de fromage frais. Puis il recommence l'opération tout en nous racontant sa vocation. Alors, ce qui m'a conduit au monastère, c'est la vocation, si vous voulez. Mais je suis rentré tard. J'ai travaillé dans l'hôtellerie avant d'être moine. J'ai voyagé, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Espagne. Mais j'avais toujours eu, enfant, le désir d'être religieux. Puis j'ai toujours repoussé. Vous savez, comme c'est, on repousse. Puis un beau jour, je crois que la Sainte Vierge m'a dû dire, écoute, c'est la dernière fois que je t'appelle, hein, ça commence à faire longtemps qu'on te veut. Alors j'ai dit, eh bien, écoutez, si vous m'appelez véritablement, moi je suis prêt à partir. Et en un mois, tout a été résolu. J'ai dit au revoir à ma famille, tout le monde pleurait sauf moi. Ils n'ont pas pleuré longtemps, noté, mais enfin, ils ont quand même pleuré. J'ai connu la communauté en Suisse. Je pensais qu'ils resteraient en Suisse. Et puis, le père fondateur me dit un jour, eh bien, nous partons pour la France. J'ai dit, mon Dieu, pour la France. Mais c'est le dernier pays au monde où je veux vivre. Eh bien, vous voyez, ça fait 40 ans que les Français me supportent. Je leur en suis bien reconnaissant. Je termine en mettant une autre couche. Alors, ça fait quand même 40 ans que je suis dans la maison. Ça a passé comme un éclair. Que la vie ait été une mer de roses, comme disent les Brésiliens, ça, je ne peux pas le dire. Mais regretter d'avoir quitté pour venir servir notre Seigneur, alors ça, jamais. Hein. Et si c'est à refaire, je rentrerai bien avant 29 ans. Hein. Enfin, les choses ne sont plus à faire. On les accepte telles quelles. Alors, pour agrémenter le plat, ma petite astuce, si cela vous fait plaisir, vous pouvez ajouter des tranches de pamplemousse et avec le couteau, vous suivez la courbe du pamplemousse, voyez ? Vous suivez la courbe, vous voyez ce que ça donne ? Et ensuite, vous coupez vos tranches. Et comme on dit en Suisse, le tour est joué. Et voilà, mon millefeuille d'aubergine est terminé. Alors, comme promis, je vais maintenant pouvoir vous faire part de la recette d'un parfait au chocolat qui m'a été donnée par une personne du village, la meilleure des cuisinières. Vraiment, c'est quelque chose d'excellent, très facile à faire. Si, par exemple, vous êtes en panne d'un dessert, vous le faites le matin, à midi, vous pouvez le manger et le soir, il sera merveilleusement oublié. Donc, nous avons besoin de 100 g de chocolat pâtissier plus 400 g ou 400 g de crème fraîche. Alors, première étape, nous allons monter la crème en chantilly. On va mettre 200 dans la casserole et le reste dans ce cul de poule pour la monter en chantilly. Et là aussi, ce n'est pas nécessaire de sucrer. Alors, nous allons maintenant tenter de monter la chantilly et pour ne pas avoir des éclaboussures partout, je me sers de ce linge et je commence mon travail gentiment, d'abord très gentiment. C'est un appareil qui marche tout seul. Vraiment, le monde moderne nous apporte des choses merveilleuses. Je me demande sous Louis XIV comment on devait battre la crème chantilly. À la main ? Et voilà! Une fois la chantilly bien ferme, frère Joachim la met au frais. Ensuite, il fait fondre le chocolat dans la crème, à feu doux et en remuant, car il ne faut surtout pas qu'il brûle. Quand il a bien fondu, il l'incorpore peu à peu à la chantilly, en veillant bien à ce qu'il ne reste aucun grumeau. Enfin, il verse le mélange dans des coupelles et les met au frigo pendant 2 ou 3 heures avant de s'attaquer à la décoration.
Mes coupelles étant prises, on va faire une petite décoration parce qu'il me semble que la présentation joue un grand rôle dans la nourriture. Faire la cuisine pour les autres, pour moi, c'est pouvoir leur prouver mon amitié, si vous voulez. Parce que quand on veut du bien à quelqu'un, eh bien, on met tout en œuvre, si vous voulez, pour qu'il soit heureux. Or, il faut savoir que dans un monastère, on a besoin que les choses soient soignées parce que nous vivons une vie qui est tout de même de sacrifice. Il est vrai que nous sommes heureux de servir notre Seigneur, mais il n'en reste pas moins qu'on reste des êtres humains. Alors, c'est une débauche de feuilles. Voilà, nos deux recettes d'été sont terminées. Vous avez donc à ma droite le millefeuille d'aubergine au fromage de chèvre frais et à ma gauche, le parfait au chocolat. Je vous souhaite un bon appétit, un bel été. Priez pour moi, priez pour ma communauté et nous serons comblés. Commençons par le millefeuille d'aubergine au fromage frais, pour lequel vous aurez besoin de 4 aubergines, 4 tomates, 100 g de fromage de chèvre frais, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, du vinaigre balsamique, un bouquet de basilic, un bouquet de ciboulette, 10 à 20 graines de coriandre et de la moutarde. Commencez par couper les aubergines en lamelles, puis les faire revenir dans de l'huile d'olive en couvrant jusqu'à ce qu'elles soient molles. Coupez quelques rondelles de tomates et le reste en cubes. Assaisonnez le fromage avec de la ciboulette ciselée, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre et des graines de coriandre. Préparez la vinaigrette, 1 cuillère à soupe de moutarde, 1 de vinaigre, 1 d'huile d'olive, 1 d'huile de tournesol, du sel et du poivre et du basilic ciselé. Ajoutez à la vinaigrette les cubes de tomates et bien mélangez. Dressez le plat en commençant par une couche d'aubergine, une couche de tomates à la vinaigrette et une couche de fromage frais. Recommencez ainsi plusieurs couches et terminez par une couche d'aubergine couronnée de rondelles de tomates. Servir frais. Passons maintenant au parfait au chocolat, pour lequel vous aurez besoin de 60 cl de crème fraîche liquide et de 300 g de chocolat noir pâtissier. Tout d'abord, faire fondre le chocolat à feu doux dans 30 cl de crème fraîche liquide, monter le reste de la crème en chantilly, puis incorporer doucement le chocolat fondu à la chantilly. Mettre en ramequin, faire prendre plusieurs heures au frigo, puis décorer. Votre menu est prêt, bon appétit !